dans le cadre de mon intervention face aux citoyens qui étaient tirés au sort sur la vaccination en milieu rural, moi, en tant que président de l'association Famille Rurale, j'ai pu évoquer puis échanger avec les citoyens sur le sujet de comment sensibiliser dans les territoires ruraux les personnes prioritaires pour la vaccination. Donc, c'est un sujet intéressant. J'ai trouvé que les questions étaient pertinentes parce qu'on voit bien que la préoccupation était la suivante, c'est de dire comment on arrive dans le milieu rural à sensibiliser les personnes qui sont prioritaires, c'est-à-dire les personnes âgées qui vivent seules, qui sont isolées, comment une association comme la nôtre peut contacter ces personnes. Donc, c'est là que j'ai pu effectivement témoigner d'actions que nous menons, nous, en milieu rural, avec nos actions, avec nos associations qui sont sur le terrain et qui, effectivement, s'étaient rendues compte de la problématique de par l'habitat, avec de ces personnes qui sont isolées, de par aussi leurs problèmes de mobilité. Et déjà, la première difficulté, c'est comment une personne âgée qui n'a pas Internet, qui ne sait pas utiliser l'informatique, comment peut-elle déjà prendre un rendez-vous? Donc, c'est déjà la première difficulté. La deuxième difficulté, c'est quand le rendez-vous est pris, comment on s'y rend avec les problèmes de mobilité que nous rencontrons dans les territoires ruraux. Donc, tout ça, ce sont des sujets qui ont été évoqués et que, bien sûr, on n'a pas, nous, à Famille Rurale, la solution, bien sûr, qui tombe du ciel. Mais c'est des sujets qui étaient intéressants parce que ce sont des sujets quand même réels, une réelle difficulté. Et c'est bien dans la table ronde à laquelle j'étais, il y avait un maire d'une commune rurale qui a pu faire part aussi des difficultés et qui ont partagé les mêmes sensibilités, à savoir comment on arrive à contacter ces personnes âgées, comment on arrive à répondre à leur attente, sachant que la crise sanitaire touche quand même tout le monde et puis qui est anxiogène, qui crée un climat donc quand même pas facile. Et puis, il est important de recréer du lien social, surtout dans ces moments difficiles.